Salut Moldu, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment maintenant qu'on s'est pas retrouvé comme ça chez moi pour tourner une vidéo du type unboxing haul et tout ça. Et du coup, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul. Sans doute vu sur YouTube et sur Instagram, il n'y a pas très très longtemps, j'ai eu la chance de retourner à Los Angeles et notamment au Universal Studios Hollywood. Et évidemment, là-bas, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai fait quelques achats, donc j'ai été plus raisonnable que l'année dernière quand même. Je pense que c'est important de le signaler, mais voilà, j'ai quand même fait quelques petites folies, vous allez voir, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Je profite du début de cette vidéo pour également dire bienvenue à tous les petits nouveaux depuis que j'ai posté mon vlog au Universal Studios. J'ai gagné pas mal d'abonnés sur cette chaîne et ça me fait super plaisir. Du coup, bienvenue à tous. Et si cette vidéo est la première que vous découvrez sur cette chaîne, je vous invite évidemment à vous abonner là, juste en dessous de la vidéo. Allez, on va y aller. Du coup, je vais vous présenter les produits que j'ai achetés au studio Universal dans les différentes boutiques qu'il peut y avoir du coup à Préolard. Et on va y aller tout simplement avec le premier produit. Alors, j'ai tout dans ce sac Harry Potter The Wizarding World au Universal Studios Hollywood. J'ai tout mis là-dedans, enfin presque tout. Alors on va piocher petit à petit et on va vous montrer tout ça. Alors la première chose que j'ai acheté, je vais essayer de le faire dans l'ordre de mes achats, c'est ceci. Alors évidemment, bon, en tant que Potterhead, vous savez tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit d'une baguette. D'ailleurs, il me semble que je l'ai dit dans mon vlog. Je l'ai acheté juste en sortant de l'attraction Ollivander. Donc quand vous sortez de l'attraction Ollivander, vous vous retrouvez directement dans la boutique Ollivander, évidemment. C'est une boutique super sympa dans laquelle vous pouvez trouver toutes les baguettes de personnages, du coup, qui sont commercialisées. Mais également, il me semble, 5 ou 6 baguettes qui sont exclusives dans les parcs Harry Potter. Ça, c'en est pas une parce que les baguettes exclusives des packs, pour être honnête, je les aime pas trop. Elles sont interactives en fait, et les baguettes interactives, je les trouve un petit peu grosses et un petit peu trop fake. Je sais pas, je trouve ça très plastique, pas beau, et du coup, bah, peut-être que j'en aurai une un jour, histoire de pouvoir faire le truc, jeter les sorts à travers le parc. C'est vrai que je trouve ça très sympa, mais je trouve que les baguettes, elles sont pas hyper jolies. Du coup, je me suis acheté une baguette personnage, et il s'agit de la baguette de Fleur. Voilà, c'est une baguette que je voulais depuis un petit moment maintenant. Je la trouve vraiment trop trop jolie. C'est la baguette de Fleur de la Cour. Elle a une forme vraiment vraiment particulière. On a une poignée assez, assez sympa avec des feuilles. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est des feuilles sur toute la longueur de la baguette. Et je trouve ça vraiment trop joli. C'est une baguette que je voulais depuis trop trop longtemps. Et je suis super contente d'avoir pu me l'acheter dans l'endroit où je l'ai achetée. Il me semble par contre que je l'ai payé un peu cher, ou alors c'est peut-être parce que c'est en dollars, ça m'a semblé très très cher. Mais du coup, je l'ai acheté, j'ai tous mes tickets de caisse là. 46$ plus les taxes, donc ça fait, bon non, une quarantaine d'euros. En vrai, c'est pas tant plus cher qu'ailleurs. Mais voilà, sur le moment, je trouve que c'était un petit peu cher quand même. Mais c'est pas grave, je suis quand même trop contente d'avoir cette petite baguette et de l'ajouter à ma collection qui commence à devenir un petit peu grande. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé par une vidéo entièrement dédiée à ma collection de baguettes Harry Potter. C'est vrai que je commence à en avoir pas mal et je les aime trop. Il faut vraiment que je trouve un moyen de les exposer dans ma chambre, ce serait trop bien. Bref, voilà donc pour mon premier achat. Il s'agit d'une baguette pour l'ajouter à ma collection. Je sais pas exactement combien j'en ai, je dois en avoir 6 ou 7 déjà maintenant. Allez, on va passer à la suite. Alors, le deuxième achat que j'ai fait, c'est quelque chose que je voulais depuis très très longtemps. Il s'agit des compte de Beedle le Barde. En fait, il s'agit tout simplement d'un carnet, c'est vide à l'intérieur, il n'y a que des lignes en fait pour écrire dessus. En fait, c'est une réplique exacte du livre Les Contes de Beedle le Barde, créé du coup par les designers de Mina Lima. C'est quelque chose que je trouve juste magnifique. Je vais vous enlever le plastique de manière à ce que vous n'ayez pas trop le reflet de la lumière. De toute façon, il est temps que je l'ouvre. J'ai attendu de faire ce haul pour ouvrir mes achats, mais il est temps. Donc voilà, c'est une réplique exacte des Contes de Beedle le Barde. Je trouve qu'il est juste magnifique. Alors, il vendait plein d'autres. Il vendait également l'histoire de Poudlard, l'histoire de la magie, le manuel avancé de préparation des potions, mais c'est vrai que voilà, c'était quand même 25$ plus les taxes l'unité, donc ça faisait quand même pas mal. Et celui que je voulais, c'était vraiment celui-ci, j'en suis mais juste tellement contente, il est magnifique. Donc là, vous voyez bien, du coup, vous avez la couverture qui est un petit peu dans les tons verts, avec du coup toute l'illustration en doré. Le
contour des pages est également doré, je trouve ça juste trop joli. Et à l'intérieur du coup c'est tout simple, comme je vous l'ai dit, c'est juste des petites lignes, je sais pas si vous voyez bien. Alors le troisième achat, je dois avouer, c'est un caprice total, mais en fait ça fait plusieurs fois que je vais dans les parcs Harry Potter que je vois ce truc qui, je sais, ne sert à rien, non pas que les autres choses servent à quelque chose, mais bref, vous avez compris le truc. Mais ça sert à rien ce truc, mais il est trop mignon et je le voulais depuis trop longtemps, donc bah voilà, j'ai craqué pour cette fois. Il s'agit d'un Pygmy Puff. Comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle un... Comment ça s'appelle? Zut. Pygmy Puff français. Ah, ça s'appelle un boursouflet. Donc du coup voici un petit boursouflet tout rose qui est juste trop mignon. Et voilà, Marjo, ma pote avec qui j'y étais, a pris le violet. On était toutes contentes avec nos trucs débiles. Je l'ai payé 18,95$. Donc voilà, c'est un achat totalement inutile et totalement capricieux. Et j'en suis très heureuse. Et en plus, écoutez ça. Allez. Bon, chute maintenant. Voilà, merci. Alors, j'ai encore plusieurs petites choses à vous montrer, mais la dernière chose que je me suis achetée pour moi au parc, c'est celle-ci. Je vais la déballer. Il s'agit en fait d'un ornement pour le sapin, mais je pense que je vais quand même l'exposer dans ma chambre d'une manière ou d'une autre, car il est vraiment juste trop beau. Donc je sais pas si vous allez bien voir là comme ça, je vais vous le mettre de plus près, mais en gros il s'agit d'un ornement de Noël sur le thème du bal de Noël. Je sais pas exactement ce que c'est, mais il me semble que ça doit être l'invitation au bal de Noël, c'est juste trop beau. Ou alors l'affiche du bal de Noël, c'est magnifique. Donc en gros on a le fond totalement bleu et en fait tout ça c'est en relief argenté, c'est juste trop beau. Voilà donc pour mon 1, 2, 3, 4ème achat. Je ne me suis acheté que 4 choses pour moi qui sont pas si chères. Donc franchement, moi je suis plutôt fière. Voilà, donc ça c'est la 4ème et j'en suis juste trop contente. Je sais pas où je vais la mettre pour l'instant, où je vais le mettre du coup cet ornement, mais voilà, c'est juste trop magnifique et je suis trop contente. J'adore tout le design autour du bal de Noël et j'aimerais en avoir un petit peu plus pour faire un espèce de display sur une étagère, pourquoi pas. Mais voilà, du coup ça c'est la première chose que j'ai acheté en rapport avec le bal et je suis trop contente, c'est trop joli. On continue avec deux petits cadeaux que m'ont fait Maïva et Marjo sur le parc. Donc en fait ce que vous savez pas, c'est que pendant les 10 jours à Los Angeles, c'est moi qui ai conduit les filles un petit peu partout, parce qu'à Los Angeles on peut pas s'y déplacer sans voiture. Elles ont absolument voulu me remercier en m'offrant de petites choses sur le parc Harry Potter et du coup c'est trop gentil, donc merci les filles, ça me fait trop plaisir. En plus c'est trop cool. Elles m'ont offert ces deux pins, je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont trop jolis. Donc le premier c'est la couverture du Quibbler, avec du coup on a le Quibbler, donc le chicaneur, et on a les petites lunettes, donc les petites lorgnospectres en relief qui bougent comme ça, je sais pas si vous voyez bien comme ça, mais voilà ça bouge et c'est trop mignon. Je vais montrer ça d'un petit peu plus près. Voilà, j'espère que vous voyez bien, mais du coup on a le Quibbler avec les lunettes que vous voyez dessus, du coup qui bascule comme ça vers l'extérieur. Et il est trop beau ce pins, franchement il est d'une super qualité. En même temps il peut, hein, il était quand même à 14,95$, donc pour un pins c'est quand même cher, faut quand même l'avouer. Et au même prix du coup, ah non un petit peu moins cher, 8,95$, on a celui-ci. En fait c'est l'emballage des Peppermint Toads, donc des grenouilles en chocolat à la menthe. Et c'est trop beau, pareil c'est tout brillant, c'est d'une superbe qualité. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près également, mais c'est vraiment trop joli. Donc vous avez du coup le second pins en close-up. Ce sont vraiment des pins d'une super qualité et ça me fait trop plaisir, parce que depuis longtemps j'avais envie de commencer une collection de pins Harry Potter. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se vendent sur internet et il y en a plein que je trouve pas forcément terribles. Donc je préfère à la limite en acheter moins et les acheter sur les parcs, et comme ça me fait des souvenirs et tout ça. Et voilà, ceux-là ils sont vraiment trop jolis. Donc encore une fois merci les filles, vous êtes trop mignonnes et je suis trop contente. On va terminer avec une chose que j'ai achetée sur le parc mais qui du coup n'est pas pour moi. Vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, j'ai rencontré Laetitia Beaujard du coup,
de la chaîne Laetitia Beaujard, voilà, d'une autre chaîne YouTube, donc une autre Potterhead, et elle m'a demandé si je pouvais lui ramener quelque chose qui ne se vend qu'aux États-Unis sur les parcs Harry Potter. Et du coup je me suis dit oui, bah pas de problème, évidemment c'est super compliqué d'y aller, donc je l'ai ramené. Il s'agit de cette chose, voilà, donc c'est le plus gros truc que j'ai ramené du parc finalement. Donc il s'agit du pack cognard avec la batte. Donc je l'ai pas déballé et je vais pas le faire parce que c'est pas pour moi, mais du coup je pensais que j'allais vous montrer quand même parce que c'est trop cool. Je savais même pas qu'ils aient ça en fait avant qu'elle m'en parle, et comme elle fait une espèce de collection Quidditch, du coup voilà, on a un cognard en, je crois que c'est en mousse hein. La batte est en mousse aussi. Bon, c'est des jouets en gros, mais voilà, c'est plutôt cool d'avoir ça. Je pense que en fait quand on a le soif, les Victor, ça doit être sympa de pouvoir tout exposer et tout ça chez soi. Maintenant c'est vrai que voilà, c'est quand même pas des petits objets, et puis voilà, ça reste des jouets, mais c'est trop chou. Et du coup le pack avec le cognard et la batte, c'est 24,95 $ plus les taxes comme d'habitude hein. Et puis voilà, c'est tout hein. J'ai quand même été raisonnable, non, vous trouvez pas? Donc voilà les moldus, on arrive à la fin de ce haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de mes achats, et de me partager aussi ce que vous aimeriez acheter si vous avez un jour la possibilité d'aller sur les parcs Harry Potter aux États-Unis. Il y a tellement de choses là-bas qui se vendent, c'est vrai que ça... Ouh, ça fait trop rêver quand on regarde les boutiques et tout ça qu'il y a là-bas. Et c'est vrai que quand on s'y trouve, on sait pas trop où donner de la tête finalement. Donc c'est vrai qu'il faut quand même faire des choix sur les achats, parce que sinon on repart avec des centaines de dollars d'achat, ce que j'ai fait la dernière fois. Mais du coup là j'ai réussi à me calmer. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la vidéo si vous aimez le contenu sur les animaux fantastiques et Harry Potter. Et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye.